ce Gunnarm. Les G2G Antero qui vont tenter de percer cette défense d'Emulate. L'Emulate qui sont 4 middle. Seul Yurek est là en banane. Échange de tir, toujours pas de frag. Yurek avec sa HE, Yurek qui passe le frag. C'est bien joué de la part des Emulate. Situation de 4v3 maintenant. Les G2G qui rush au niveau de la banane et c'est libre en B pour eux. Les Emulate qui sont obligés de backup avec Art, CMSX derrière. Rigo et Matt au niveau du spawn CT. La bombe qui est posée par GR. Et c'est Sofian qui va monter sur une caisse au niveau du couloir. Et les G2G qui vont aller se planquer dans le BP pour essayer de défendre cette bombe en situation de 3v4. Ça va être très très dur. Les Emulate qui s'avancent tout doucement pour pas faire d'erreur. Rigo et Matt dans le couloir. C'est parti, les Emulate qui s'avancent. Matt qui fait un frag sur Sofian, MSX sur GR. Attention Striker, Striker qui fait un double frag. Striker passe à 2 Emulate, Striker 3ème frag. Situation de 1v1, il reste plus que Rigo pour les Emulate. La bombe est posée, ça va péter. Striker encore une fois sur Rigo, 4ème frag et la bombe qui pète. Et Striker qui permet au G2G de mettre ce gun round ultra important. Extraordinaire ce qu'il vient de faire Striker. Et ça fait donc 1-0 pour les G2G. Énorme, énorme ce qu'il vient de nous faire au Striker, qui l'aurait cru en 1v4. Et ça permet du coup au G2G d'espérer encore un peu plus après avoir perdu ce premier side 13-2.